Bonjour les amis, aujourd'hui je vous amène chercher de l'eau. On va aller au col de l'Isarieta. Alors vous aurez pas mal de musique sur la route. Hein. Ou alors je parlerai, je sais pas trop. On verra, suivant l'humeur. Allez, on y va.
From this pain of love,
so many letters. Baby, would you come back to my arms? And I follow you every day. And hope you change your mind. But your response shatters all my hopes. It's so hard to forget. No matter how I try, the more I try, the more it hurts. You break my heart, I renew. You break my soul, I renew. Oh, oh, darling, I'm dying for your love. Oh, oh, darling, I'm dying for your love. Là, l'eau limite, on n'a même pas besoin de la filtrer.
Voilà, de l'eau bien pure, hein, bien propre. Hein. Ça fait un petit moment que je viens la chercher là, parce qu'elle a vraiment moins calcaire au niveau de... Quand je la chauffe, je vois qu'il y a beaucoup moins de calcaire. Et quand je la filtre, elle passe très très vite, donc je la filtre même. Non, je la filtre pas. Alors j'aurais préféré venir hein, quand il fait beau. Il va faire beau demain et après-demain. D'ailleurs, après-demain, il va faire 16 ici. Il y a une température de ouf. Mais j'avais plus d'eau. Et j'avais pas envie de filtrer de l'eau du robinet. Donc je me suis dit, on va aller vite fait chercher de l'eau. Ceux qui veulent venir, quand vous verrez ce petit pont et le mur végétal qui est là, on va s'approcher. Mais il pleut là. Il y a pas mal de gouttes là. C'est des gouttes, c'est de... du crachin qu'il y a. C'est pas, de... c'est pas vraiment de la pluie. Je vais réessuyer le. Je vais réessuyer le. L'œil de la caméra parce que. On ne peut pas y voir grand chose. Petit coin nature. Là, je pourrais faire une vidéo ASMR. Là. Le bruit de la rivière. Le ruisseau, pardon. J'ai changé de place, hein. Je l'ai remis vers la descente. Le temps que ça filme un petit peu là en haut. Je vais pas laisser trop longtemps parce que ben, ça mouille. Hein. Donc, on est à quelques kilomètres du sommet là, mais la route est barrée en haut, hein, puisqu'ils ont fermé les frontières. Il y
Ben, c'est pas fermé les frontières, mais ils veulent pas que tout le monde passe par les petits chemins. Donc ils ont marqué la route barrée en haut. Je vous ai montré une petite flèche. Normalement, je vous ai montré une petite flèche quand je suis passé à Sarambal. Et voilà pourquoi je la prends là, l'eau. Je la prends ici, l'eau. Parce que la dernière fois que je suis venu, il y a quelques temps, vous voyez là en bas, là, je ne sais pas si on le voit. Juste là, il y a un sanglier qui est mort. On voit une partie d'os là, je pense pas que ce soit son crâne parce que c'est pas très très gros. Mais quand je suis venu il y a quelques mois de ça, on voyait bien, ça puait la charogne à mort. Et on voit que voilà, il y a des bouts qui sont dans l'eau. On voit qu'il y a, et puis la bête elle était là, donc l'eau qui arrive de derrière, là, elle passe là. Et voilà, après, voir. Alors, rien ne me dit que au-dessus, il n'y a pas une bête morte aussi. Hein, y a rien qui me dit ça. Hein. Mais au moins là je l'ai vu, j'ai dit je prends pas là. Enfin je prends pas là. En bas, il y a un endroit, je vais m'y arrêter là après pour vous montrer, avec un petit robinet pour ceux qui veulent prendre l'eau. Il y a celle qui arrive de là, il y a celle qui arrive de là-bas qui se mélange. Hein. Mais bon, vu qu'il y avait ça là, je me suis dit non, je préfère la prendre en haut. En fait, depuis le début, je la prends en haut. Hein. J'ai vu qu'en bas, il y avait un robinet, mais je l'ai vu qu'après. Et comme je préfère celle-là d'ici. Je pense pas qu'on voit très bien parce que cette caméra elle filme pas terrible. C'est dommage. Ouais, j'aurais préféré venir en temps de beau temps, hein, mais voilà, faute de manque d'eau. Vu qu'il me manque de l'eau, j'avais pas envie de. C'est dans le coffre. Bon, regardez pas trop le bazar dans mon coffre parce que comme je fais des va-et-vient, hein, voilà, il y a 40 litres là. Je suis pépère pour deux semaines, facile là. Ouais, deux semaines. Hein. Parce que je m'en sers que pour la boire celle-là. La boire et pour faire à manger quoi. J'aurais pu venir ici aussi, comme je vous dis en haut, il y a ici et puis de l'autre côté, ils ont fait un double robinet. Fort. Mais comme je vous dis en haut, j'ai vu un sanglier mort, et je me suis dit, je préfère aller. Après, il y a plein de camping-cars qui se servent ici. Il y a plein de. L'été, là, il y a des camping-cars partout, ça va, ça vient. Et du coup, ouais, ils se remplissent le camion là. Hein. Mais bon, là, ici, je préférais la filtrer. En haut, depuis le temps que j'en consomme, j'ai pas de problème. Pas de problème du tout. Je vais vous amener voir le grand panneau là. Il y a la gadoue. Voilà, comment ça s'appelle ? Comment ça s'écrit? Alors ça s'écrit Lizarrieta, mais c'est Lizarrieta, ça se dit un S. Le Z en Espagne, enfin au Pays Basque, ça se dit S. Lizarrieta. Bienvenue au col de Lizarrieta. De multiples découvertes vous attendent dans ce site aux richesses insoupçonnées. Ah, des petits. 45 minutes, 1,7 km, 1h15, 2,9 km, 2h30, 9 km.
découvrir, vous pouvez télécharger l'application Sarrieta Aventure. Téléchargez le parcours de votre choix, jeu, aventure, chasse ou trésor, balade guidée au départ du col, en route pour l'aventure. Bien sûr, je préserve l'environnement, je respecte les autres usagers, la montagne en toute sécurité. En période de chasse, l'accès au filet n'est pas autorisé. Poursuivre à distance le déroulement de la chasse au filet. Rejoindre les deux bornes explicatives de cette chasse traditionnelle. L'une sur la butte d'Idoimendi à 100 mètres au sud-est du col de l'Isarieta, l'autre sur le sentier de la forêt des mines. La forêt et mines. Oui, une fois je suis monté tout en haut au col, il y avait des chasseurs et puis il y avait beaucoup de photographes. Parce que tout en haut, on a une vue dégagée sur toute la vallée là, et c'est vraiment beau quoi. Et les chasseurs, ils attendaient les palombes. Et du coup, celui-là, il était balèze l'arbre. Hein. Le coin tombant, il a cassé l'autre derrière. Hein. Et celui-là, il était... Ouais, c'est un joli petit coin aussi, là. Bon, après, il y a la route qui passe à côté, mais c'est pas une route de grand passage non plus. C'est pas une route de grand passage. Hein. C'est balèze l'arbre, là. Avec le petit pont. Et là, ça sent super bon. Ça sent super bon, ça sent encore les champignons. On sent le sous-bois et puis l'odeur un peu de champignons. Alors qu'avec le gel et le froid qu'on a eu là cet hiver, on a une semaine de grand froid cet hiver. Par rapport au climat qu'on a nous d'habitude ici, on peut dire que cet hiver on a eu froid. Donc l'été prochain, la saison prochaine, je pense qu'il y aura moins de limaces. Mais je ne serai plus là donc... J'aurai plus mon potager quoi, c'était l'hiver, l'été prochain. Allez, on va rentrer se mettre à l'abri, je vais faire le montage et puis alors on est dimanche matin, et il doit être 9h, 9h30 à peu près. Ouais, je suis parti de 8h30 de la maison, donc ouais, il doit être 9h30 par là. Allez, à bientôt les amis. Ciao.